Bonsoir à tous,
Supporters rennais, supporters bordelais, bienvenue à la salle Colette Besson pour cette nouvelle journée de National 1. Vous êtes de retour 3 jours après, toujours avec Hugo Ioren, pour vous faire vivre ce match. Salut à toi Hugo. Bonjour, bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. On accueille une belle équipe de Bordeaux, en difficulté hein, au classement. Je reprenais dessus là. L'équipe de Bordeaux qui a 6 victoires et 11 défaites. Quant à nos Rennais, qui sont sur une superbe forme. Deuxième au classement aujourd'hui, avec 12 victoires et 7 défaites. On a les 5 majeurs. Côté Rennais, on va retrouver Joseph Chartouni, Clément Poncet-Lebert, Geoffrey Scléa, Yuri Moroz et Mourad Elkir. Et côté Bordelais, ça va nous arriver tout de suite. Côté Bordelais, alors on va retrouver le numéro 7 Antoine Léonard, le numéro 6 Thibault Lonzième, le numéro 46 Quentin Hanck, le numéro 10 Geoffrey Dalmat et le numéro 21 Thomas Van Noussem. À noter un absent de taille hein, côté Bordeaux puisqu'il manque Alex Vialaret. Joueur clé quand même de cette équipe de Bordeaux. Et l'effectif est au complet côté Rennais. Allez, début du match dans quelques secondes. C'est parti, premier ballon pour l'Union Rennes Basket avec Joseph Chartouni qui prend l'écran de Yuri Moroz. Il a hésité à le prendre. Geoffrey, Clément, la balle qui tourne bien. Et deux premiers points pour l'URB, 2-0 pour l'URB. Clément Poncet-Lebert. Une belle ficelle pour commencer. Ça fait toujours plaisir. Personnellement, moi Hugo, je suis toujours un peu dans tous mes états du match de vendredi. En espérant que ça continue comme ça. Ouais, c'est vrai que les Rennais qui nous ont habitués à gagner là, depuis un certain temps. On y prend vite goût hein, finalement. Ils sont en forme et nous aussi au final. Allez, bien démarrer le match. C'est important. Comme vendredi, bien démarrer, être concentré sur 40 minutes pour faire une belle prestation. Ouais, première touche fond là, bien coupée de la part de nos amis Rennais. Comme sur le match de vendredi, hein, ils défendent fort, ils coupent toutes les lignes de passe pour gêner au maximum les Bordelais. Ouais, je pense que c'est une consigne à mettre du rythme d'entrée. Une équipe de Bordeaux qui est un petit peu courte en termes de rotation, donc essayer de les fatiguer au plus vite possible. Ouais, voilà, première interception de Mourad pour Joseph en contre-attaque. Delan, 4-0 pour l'Union Rennes, très bon départ. Et Bordeaux qui va remonter la balle tranquillement avec son meneur de jeu. Quentin Hanck, attention à lui, hein, très gros shooter, je vous le dis tout de suite, le numéro 46, qui tourne à près de 47% à 3 points et qui a le record de la saison en N1. Il a fait une perf à 38 points. Il n'y a pas si longtemps que ça. Donc attention, ne pas le laisser en confiance. Voilà, tout de suite, hein, Joseph Chartouni qui coupe bien la ligne de passe. Il dévie un peu le ballon. Ça revient sur Hank qui n'arrive pas à contrôler. Ballon récupéré pour l'URB. Et le même Chartouni remonte la balle tranquillement pour annoncer un système. Allez, petite cascade d'écran. Un système long. On fait bouger la balle. On essaye d'être patient, de trouver une ouverture. Voilà, c'est fait, Geoffrey qui fait sauter. Superbe, 3 points, petite feinte. Mon adversaire saute, c'est un super départ. Super départ, 7-0 pour commencer. Et le coach bordelais qui stoppe tout de suite. Temps mort pour Bordeaux.
Allez, c'est reparti. 1 minute 13 de jeu. Et déjà 7-0 pour Rennes face à Bordeaux. On va voir comment les Bordelais vont avoir à cœur de réagir. Et on voit une presse déjà tout terrain pour les Rennais. Accentuer leur avance sûrement. Ouais, c'est important là pour Bordeaux de réagir vite après un temps mort. On va voir s'ils proposent quelque chose de différent. La montée de balle en tout cas reste difficile. Bonne défense des Rennais. À noter hein, côté Rennais l'absence de Tyrone Mainfire et le retour de Saïd Benbrice en tenue. Et voilà, bien belle réaction des Bordelais. Ils ouvrent leur compteur. C'est vrai que j'avais annoncé l'URB au complet, mais finalement Tyrone Mainfire n'est pas sur la feuille. Je pense que c'est une dernière minute à suivre tout ça. Et les Bordelais qui restent aussi tout terrain pour essayer de nous embêter un petit peu. Très beau drive là de Joseph qui trouve Geoffrey Scléard dans le coin, c'est raté. Et belle activité au rebond là de Mourad. Ça revient dans les mains du Rimoros. Deux points faciles. Belle présence au rebond offensif. Hank qui met le jeu en place. Attention à trois points tout seul. Ouais, Thibaut Longième qui met dedans. Ouais, il allonge le bras. Qui reste sur des très belles performances aussi. Thibaut Longième, il est en forme. Le pied sur la ligne. Ballon perdu, le premier pour les Rennais dans ce match. Ouais, c'est intéressant, on va voir la défense de Bordeaux. On a vu, Yuri, il avait à peine la balle. Une prise à deux commençait à se mettre en place. Voilà. Belle rotation défensive après la prise à deux. Il a fait une passe au cercle, là, quoi. Passe au cercle. Oui, très belle contre-attaque de Joseph Chartouni. Il fixe jusqu'au bout avant de délivrer une passe décisive pour Mourad Alkir. Deux points avec la faute, s'il vous plaît. En mode distributeur, hein, Joseph, sur ce début de match, là, qui fait bien vivre le ballon. Superbe caviar pour commencer. Et Mourad qui ira sur la ligne pour un point supplémentaire. Mais c'est important hein, de la part du meneur de jeu. C'est vrai, Chartouni qui fait vivre le ballon. Il fait toucher la gonfle à tout le monde. Et c'est converti, 12-5 pour l'URB qui reste en défense tout terrain. Prise à deux tout de suite. Faut y être Clément, faut la couper cette passe. Hop là. Oh, à mon avis, ça va pas plaire au coach ça. Ouais. Pas une facile, mais c'est les risques à prendre. Ouais, belle lecture de jeu quand même de la part de Bordeaux là avec cette longue passe. Et finition facile de Thomas Van Oussem. Déjà 4 points pour lui. Et on repart sur le système favori de l'URB. Mourad, il ressort, Geoffrey, la balle tourne bien, Joseph, un peu court. Et belle présence au rebond offensif, ça ne suffit pas. Relance rapide de Bordeaux. Avec Geoffrey Dalmat qui va chercher Thomas Van Oussem, ouais. Jeune joueur. Hein. C'est marrant qu'il ne le joue pas, il y avait mismatch pour lui face à Joseph de taille. Bon, il est costaud Joseph quand même, hein, même s'il est plus petit. Allez, il faut se projeter vers l'avant. Mourad, oh il le prend. Dommage, le fond du cercle pour Mourad. Et encore un rebond offensif de Joseph Chartouni, qui a très bien suivi. Belle confiance hein, de Mourad Elkir. C'est vrai qu'il revient bien sur les derniers matchs. Il a été blessé assez longtemps là, sur la période de décembre-janvier suite à une belle entorse au niveau de la cheville. Il revient en forme, ça fait plaisir. Il se pose pas de questions, il prend le tir malgré un faible pourcentage vendredi dernier. Ouais, mais on connaît, c'est un shooter, hein, il garde confiance en son shoot. On connaît ses qualités, il a raison de le prendre. Allez, le premier pour Joseph Chartouni. Retour du silence de cathédrale. Eh ben, ça n'empêche pas Joseph Chartouni de le mettre. Hein. Ça ne le dérange pas. Qu'il y ait du bruit ou du silence. Dans tous les cas, c'est dedans. Presse tout terrain encore des Rennais qui gêne la remise. Ouais, qui gêne la montée de balle. Qui gagne ce ballon, super, Clément, belle ouais, passe. Contre-attaque facile, Yuri. Qui la dépose, ouais. Comme à l'entraînement. Il aurait pu nous octroyer un petit smash, un petit dunk, mais non. Ça nous aurait mis en appétit. Et encore un ballon perdu pour Bordeaux. Mourad, ça va vite. Oula, c'est brouillon. Pour qui, monsieur l'arbitre ? Récupération bordelaise. Et
la rentrée de Hugo Pellure qui remplace tout de suite Joseph Chartouni au bout de 4 minutes de jeu au poste de meneur de jeu. Allez, Quentin Hanck, il faut le coller, hein, faut sortir sur les écrans, faut pas le laisser shooter. Et il perd le ballon d'ailleurs, il aime pas cette pression là. Très belle prise à deux des Rennais qui gagne le ballon. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il est bien pris en début de match. Toutes ses lignes de passe sont coupées une fois qu'il lâche le ballon. Ses remontées de balles sont compliquées. Il va devoir dépenser de l'énergie à chaque fois pour lui et ses partenaires. Oula, Yuri un peu faiblard là sur la passe. Ce qui n'empêche pas Monsieur Poncet-Lebert de driver. Finition main droite à gauche, super main opposée. Ouais, Bordeaux qui a du mal à mettre son jeu en place, la bonne défense des Rennais, contre-attaque, Geoffrey, Clément Poncet-Lebert en contre-attaque, il hésite, belle passe pour Clément Poncet-Lebert, 2 points de Mourad, on parlait de son retour, ça fait déjà 20 points en 5 minutes là. On sait que ça se déroule jamais comme ça, mais à ce rythme-là, il va y avoir un très beau score offensif. Hein. Ouais, on est parti sur une base de combien, 160 points pour l'URB, on va voir s'ils y arrivent. Tu serais pas statisticien toi mon grand là? Ouais, ça va vite, ça calcule très très vite. Allez, entrée en jeu de Maël Lebrun et la rentrée en jeu après quelques matchs d'absence de Saïd Bendriss pour remplacer notre duo de la côte d'Emeraude, Geoffrey Scléard, Clément Poncet-Lebert. La sortie aussi côté bordelais de Dalmat et de Van Oussem. La rentrée du numéro 2 Méniel. Et du numéro 32, il me semble, 25. Owana. 25, je crois que c'est Willis Mackay Jr. qui est rentré. Ouais. Aussi également. Et 32, t'as raison. Ah, Gamel pour l'11e, mais bon rebond offensif. Attention à Gaëtan Méniel, hein, le meneur bordelais, qui va très vite sur sa main gauche. Ouais, le ballon tourne bien côté Bordeaux, shoot ouvert. 3 points pour l'11e, pour Léonard, pardon, qui ouvre ce compteur ce soir. Jeune joueur également, Antoine Léonard. 20 à 10 pour l'URB qui met son système en place. On est avec Hugo Pellure dans la raquette avec Saïd Bendriss. Superbe ça pour se mettre en jambe. Très bien fait. Point. Très belle exécution du système. Huilé, bien rodé comme à l'entraînement. Superbe. Allez, toujours ces prises à deux en sortie de pick and roll. Hop, hop là, bam, bam, bam. C'était joli. Avec la faute hein, de Monsieur Mackay Junior. Ligne de fond, appel de pied. Je mets le couvercle et j'ai le lancer franc avec. Rentrée de Brian Pamba et la sortie d'Yuri Morose. Faut se méfier hein, si on reprend les... Les dires du coach Pascal Thibault de vendredi soir, il a annoncé un match vraiment piège contre cette équipe de Bordeaux, qui est capable du meilleur comme du pire dans ses résultats, qui est allé battre de grosses équipes, qui a fait de belles prestations, mais qui est aussi capable de prendre des matchs un petit peu à la légère. On sait qu'ils en ont pris 30 ou 40 contre Tours à domicile, notamment. Donc ça peut être tout bon ou tout mauvais. Il faut essayer de se faciliter le match. Ouais, à noter que Brian Pamba a fait non pas son retour, mais son entrée en jeu pour l'URB. Ça démontre hein, la qualité de l'effectif rennais là, quand Brian rentre au bout de 6 minutes de jeu, qui sort du banc et que l'équipe tourne bien pour autant. Vraiment un effectif de qualité et de quantité. Justement, Brian Pamba qui cherche Mourad en bas. Mourad petit reverse pour Hugo Pellure, la balle tourne bien. Saïd, 3 points. Un peu long celui-là. Hein. C'est ballon rennais, belle présence de Brian Pamba au rebond pour aller gêner. Le ballon qui tourne bien là. Beau jeu collectif dans ce premier carton. Continuons comme ça. Ouais, le joueur bordelais n'a pas réussi à contrôler ce ballon là pour ce rebond. Saïd tout seul. Hop là, Hugo Pellure qui fait la passe à la planche tout simplement. Ça ne trouve personne. Ouais, ça va pas plaire au coach ça. Les ballons perdus un petit peu bêtement. Gaëtan Méniel, poste bas, il va vite, on le sait, il est pris à deux. Ah, il arrive à trouver une petite passe. 2 points de plus pour Bordeaux.
Et lui, Herbet qui remet un système en place, toujours avec cette cascade d'écran. Brian Pamba, on va chercher Saïd en bas. On a du mal à le trouver là. Si, Saïd qui prend sa place. Il lit le jeu. Petite faute là, sur Saïd Bendriss, du numéro 25, Makis Junior. Et la rentrée, numéro 33, Madiba Owana. Ce sont des jeunes hein, côté Bordeaux. On voit sur les derniers matchs notamment. Ah, Saïd qui est frappé. Ouais, prise à deux sur lui directement. Les mimes inactives de la part des Bordelais. Bonne défense ça, de la part de Bordeaux qui n'est pas récompensée. Ce sera un ballon rennais. Pour Hugo Pellure. Attention de ne pas refaire la même erreur. Ça se frite un peu là dans la raquette entre Saïd Bendriss et Maquet Junior. On se souvient du beau duel qu'on a eu vendredi dernier entre Tchèque-Sekou Kondé et Anderson. On va voir si on va avoir un beau duel aussi dans la raquette aujourd'hui avec Saïd Bendriss et Maquet Junior. On aime bien quand ça se banne. Allez, bien finir ce carton. Ouh, Brian, le petit step back au buzzer. Il recommence comme il a fini vendredi dernier. Plus c'est difficile, plus il aime. Hein. Il était parti loin quand même là. Ouais, c'est vrai que le step back là. Ah, je crois que c'est gagné. Ouais, c'est ça. Ballon dans le genou et ballon rennais. Ouais, tous les drives sont difficiles là de la part des Bordelais. Belle activité défensive des rennais. Brian qui remonte tranquillement ce ballon. Saïd qui prend sa place en bas. Brian ne décide de pas le servir. Petite passe dans le dos pour Mel, le bras. On recherche Saïd. Alors là, le coach bordelais qui réclame les 3 secondes, il va les avoir. C'est vrai que notre ami Bendriss, il a bien campé dans la raquette là, sur cette attaque. Il a posé sa toile de tente et il s'est fait sanctionner, c'est dommage. C'est vrai qu'il avait un beau mismatch. Ouais, mais belle défense des Bordelais. Hein. Forcément, il a pris du temps à mettre sa place due à la défense. Voilà, sanctionné 3 secondes. Allez, plus vite, les gars. Allez. Allez, essayez de couper ses lignes de passe. Voilà, c'est ce que Saïd fait. Très bien. Excellent. Ça pose des soucis à Bordeaux. Ce qui les oblige à driver. Et il va obtenir une faute. La première de Maël Lebrun. Ouais, très peu d'arrêts de jeu en début de match, très peu de fautes, hein, seulement 3 fautes de chaque côté. Aucune équipe n'est dans le bonus pour l'instant. Et le retour de Joseph Chartouni. Pour Saïd Bendriss, c'est du poste pour poste ça, Yoren. Absolument pas. Entrée d'un meneur à la place d'un poste 5, on va jouer un petit peu plus petit, small ball comme diraient les Américains, avec Geoffrey Scléard en poste 1. Et sûrement Maël Lebrun en poste 4. Poste 5 hein, pour Geoffrey Scléard. Ouais. Et on va jouer avec trois meneurs, nos trois meneurs qui sont sur le terrain là. Joseph Chartouni, Hugo Pellure et Brian Pamba. On va voir si ce choix va s'avérer payant ou pas. En tout cas, on laisse les drives dans l'axe arriver et ça sera deux lancers pour Bordeaux, pour Gaëtan Méniel. Très beau drive hein. De Méniel là qui aurait pu, il y a une petite gamelle, il aurait pu marquer avec la faute. Avec une petite papade gauche. Et le retour de Quentin Hanck qui va remplacer Thibault Lonzième. Pour cette fin de match. Attention, hein, deuxième faute personnelle de Hugo Pellure déjà dans ce premier carton. Il va sûrement être protégé pour cette fin de premier carton. On va voir le choix de Pascal Thibault. Premier lancer franc loupé de la part des Bordelais. Ouais, seulement 52% de réussite pour Gaëtan Méniel sur le début de la saison en lancer franc. Donc s'il fait 1 sur 2, il est dans ses standards. Voilà. Ouais. La même réussite que Monsieur Hanck à 3 points. Autour des 50%. Cela est pour souligner forcément la performance de Quentin Hanck côté bordelais. Et Brian, petit flotteur, superbe. Dans le trafic, je me lève. Ça va vite, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Et il se perd un petit peu, il a toujours le ballon. Je vous ai prévenu, hein, c'est un joueur qui va très vite. Ouais, là, avec sa main gauche. À mon avis, l'arbitre, il a hésité à siffler faute. Il a sifflé entre les deux touches bordelaises.
Et superbe backdoor de la part de Méniel qui vient inscrire 2 points. Il s'est mis dans son match, le Bordelais. Hein. Que la petite plongeon à la raquette d'Hugo Pellior, tel un ventre, il glisse. Et Brian qui met en place son jeu. On cherche Geoffrey Scléard. Prise à deux tout de suite. Et passage en force. Ouais, on a vu l'épaule. Il a essayé de se débarrasser de cette prise à deux. Illégalement, selon monsieur l'arbitre. Ah, c'est bien joué. Hein. C'est bien joué. La part des Bordelais qui sont venus frapper à deux sur Geoffrey qui avait l'avantage physique. Geoffrey qui aurait dû lâcher son ballon beaucoup plus vite que ça. C'est dommage. Et on l'a annoncé, hein, la sortie d'Hugo Pellior, 2 fautes personnelles, rentrée de Clément Poncet-Lebert pour finir ce premier carton. Et un système mis en place par Méniel. Il prend l'écran en haut. Il a une très belle qualité de drive. On a vu la petite mimine de Clément Poncet-Lebert, sanctionné tout de suite. Ce sera 2 lancers francs pour Bordeaux. Très belle activité là en cette fin de premier carton de Méniel, qui va avoir l'occasion d'augmenter son compteur sur la ligne. Et de faire revenir un petit peu Bordeaux. Hein. On est parti sur des standards offensifs 27-17. Ouais. De lancer à venir. C'est vrai que s'il va trop vite, vaut mieux le laisser tirer à 3 points, Gaëtan Méniel. Hein. Il y a un faible pourcentage à 3 points, 25%. Par contre, dans le drive, on sait que c'est un très bon joueur. Il met le premier lancer franc. Ouais, c'est sûr qu'il faut concrétiser maintenant les lancers francs si on a des bonnes qualités de drive et qu'on provoque des fautes. Là, toujours 1 sur 2 pour Méniel. C'est dommage. 2 petits points laissés en route là. Joseph Chartouni qui met en place avec Maël Lebrun. Bah oui, Geoffrey, il est tout seul. Belle coupe, il en manque un peu. Manque un peu de jus pour Geoffrey. Belle dissuasion défensive de Ouona qui était venu le gêner au dernier moment. C'est rare hein, de le voir louper un panier, Geoffrey Scléard. Ouais. C'est vrai. Monsieur zéro déchet. Attention, Gaëtan Méniel qui va jouer la dernière possession. Il reste 8 secondes à jouer. Et belle prise à deux. Hop là. C'est dommage. Ça sera ballon Bordeaux. Ouais. 8 secondes à jouer sur la possession. Mais seulement 5. 8 secondes à jouer, pardon, cette fin de première quart-temps. Mais seulement 5 sur la possession bordelaise. Petit décalage entre l'horloge des 24 et le chrono. Il va se lever ou il va attaquer le panier. Et c'est ballon gagné devant. Allez, 3 secondes à jouer. Mais oui, derrière la tête, Joseph. Oh, il s'est fait scotcher par les numéros 33 bordelais. Ouona, il l'a attendu en haut. Ouona. Très belle défense, très bon retour d'Ouona. Qui vient malheureusement pour nous. René, stoppé 2 points faciles. Et la fin de ce premier carton sur le score de 27 à 18. A tout de suite. C'est reparti pour ce deuxième quart-temps. 27 à 18 pour l'équipe rennaise. On le disait, hein, on est parti sur des gros standards offensifs. Des défenses peut-être un peu endormies en ce début de match. Ça plaît aux téléspectateurs, mais non pas aux coachs, hein, généralement. Ces standards offensifs. Alors, je sais pas toi, Hugo, moi j'ai l'impression que les supporters rennais, là, en commentaire, on vous a pas encore trop entendu. On n'a pas de like, on n'a pas de commentaire, on a l'impression d'être un peu tout seul, là.
réveillez-vous, c'est l'heure, il y a match. Dites-nous tout, est-ce que vous êtes bien là, supporters rennais, supporters bordelais? C'est peut-être l'horaire inhabituel hein, pour nos fans, ça a un peu du mal à se mettre en place. Il est bientôt 20h, tel l'horaire habituel, on vous attend maintenant. Allez, retour au jeu, 27-18 pour Rennes. Ballon, Bordeaux. Allez, pas de prise à deux cette fois. Après, écran, Quentin Hanck, pour Gaëtan Méniel. Ouais, le système qui a un peu du mal à se mettre en place. Ouais. Voilà, on retrouve Delmat. Prise à deux tout de suite, l'écran. Ouais, les grands bras d'Yuri Moroz. Il a sorti le gadget au bras là pour intercepter ce ballon. Petit passé va. Allez, tu peux driver, Brian. Et je m'arrête. Je vais pas jusqu'au bout. Dommage, il en manque un peu. In and out là, sur le shoot de Brian Pamba. Un peu moins de réussite offensive. C'est normal, ça pouvait pas durer de toute façon. Ouais, dommage, là. Beau drive hein, de Mackey Junior. Petit reverse. Il tape le fond du cercle. Geoffrey, Joseph, le ballon tourne bien. Le petit drive. Contré par Jean-Michel Tranche. Récupération de Yuri Moroz quand même, ça ne suffit pas. Un peu brouillon là ce début de deuxième carton. Ouais, ouais, un peu moins de collectif par rapport au premier carton où tout était bien huilé. On trouvait des systèmes bien plats, bien trouvés. Là on se précipite un peu, on force les choses. Allez, rebond, remettre du rythme. Se remettre la tête à l'endroit là. Ouais. Sur quelque chose de construit. Et non, toujours pas. Et ballon perdu. Ouais, marché départ de Yuri Moroz. Moroz, pardon. Et 27-18 toujours dans ce deuxième carton. Ah, il faut faire un stop. Retrouver du rythme en défense. C'est souvent par là hein, qu'on arrive à derrière trouver du rythme offensif. Toujours ces prises à deux sur pic. Et marché de départ. Deuxième d'affilée. Ouais, ça fait un partout. Balle au centre. Messieurs les arbitres qui sont cohérents. Les règles sont les mêmes pour tout le monde. Et la remontée du ballon de Joseph Chartouni qui met son système en place. Clément Ponce, le maire. Mourad, tout le monde touche la gonfle. Geoffrey, superbe. Belle coupe, hein, la baseline, ligne de fond. Dès qu'on retrouve du jeu collectif, on retrouve des paniers. C'est bien les gars, faut s'en souvenir. Très beau jeu de passe là entre Geoffrey et Mourad qui se trouvent souvent très bien tous les deux. Ouais, là, beau jeu de passe aussi de Bordeaux. Hop là. Il s'est jeté là à l'emporte-pièce, mais il prend la faute. Ouais, de lancer front à venir. Deuxième faute personnelle de Clément Poncet-Levert. C'est le deuxième joueur à deux fautes avec Hugo Pellure, on le rappelle. Oula, il nous a balancé une légère bricasse sur ce premier lancer franc. Il va falloir régler la mire. C'est vrai qu'avec une salle vide, on l'entend bien. Ah, deuxième un peu long encore. L'URB qui relance vite le jeu. En transition, Clément Poncet-Levert. Il a cherché Mourad, il le trouve. Dans les petits espaces, superbe, deux points. Très belle passe de Clément, beau drive. Ouais. Il a bien mené ça, on a parlé d'une transition. C'est plus une contre-attaque là finalement. Très efficace Mourad Elkir à 100% pour l'instant. Ballon est pour Dalmat qui met en place son jeu. Qui va s'appuyer avec son dos sur Geoffrey. Ouais. Pied sifflé par l'arbitre. On va remettre peut-être 14 secondes. Et retour de Saïd Bendriss et de Maël Lebrun en lieu et place de Yuri Moroz et de Geoffrey Scléar. Ouais, retour aux affaires de Saïd Bendriss pour donner un peu de taille à cette équipe Rennes dans la raquette et de Maël Lebrun. C'est vrai que Thomas Van Noussem en face il est grand aussi hein. Ben, ça nous promet encore un beau duel en tout cas dans la raquette. Et oh, 4-3 points au buzzer.
qui ouvre son compteur. Attention à lui, on vous avait prévenu. Mourad au poste, loupé. C'est vrai, attention à mon avis, il va vouloir se lever. Ah, il vient de le mettre. Faut pas le laisser prendre confiance. Voilà, on sort sur lui, après écran. Bien trouvé ça, le transfert. Voilà, drive un peu compliqué. Ça repart très vite côté René. Maël Lebrun, Clément Poncet-Lebert. Non, on va mettre le jeu en place. C'est pas pour aujourd'hui. Joseph Chartouni. Double écran là avec les intérieurs. Saïd Mourad. On va le rechercher à l'intérieur. Il a l'avantage. Il a l'avantage de taille, ouais. Voilà qui est fait. Il provoque la faute de lancer franc à venir pour Saïd Bendriss. Côté bordelais, la rentrée du numéro 6, Thibaut Lonzième, qui remplace le numéro 32 de Bordeaux. Mbaï Toutbami. Toutbam, désolé pour la prononciation. On n'osait pas le dire depuis tout à l'heure avec Yoren. Voilà, je me suis lancé le défi, j'ai essayé. Désolé. Allez, le premier dedans pour Saïd. Ouais. Le chétif Saïd, nous dit Stéphane Moisan, qui s'est fait bouger dans la raquette, mais qui a obtenu la faute. Il était bien tombé. Mais voilà, je mets mes petits délancés francs, c'est pas grave. A noter que Tchèque Sekou Kondé n'est toujours pas rentré côté URB après son gros match vendredi dernier. Coach Pascal Thibault qui a dû décider de le mettre au repos si jamais ça se passe bien pour l'équipe rennaise. Hop, allez! Thomas Van Noussem, normalement, c'est souvent dedans ce genre de tir pour lui. Pas cette fois. Et Hugo Pellure qui peut relancer. On va trouver Maël Lebrun. Saïd, belle relation. La fameuse passe à Casper, on l'attendait. Clément qui avait commencé sa coupe ligne de fond. Saïd ne l'avait pas anticipé. Et nouveau ballon perdu pour Rennes. Balle à Bordeaux. Geoffrey Dalmat qui relance. On sent un peu un faux rythme hein, de Bordeaux qui met du temps à mettre son jeu en place à chaque fois. Certainement dû à la défense rennaise, mais quand même. Les passes qui sont coupées, il a gardé la balle 15 secondes. Oula, Léonard qui a hésité à shooter. Et là, va falloir le prendre, hein, monsieur. C'est dedans! Mais quel shooter! 2 sur 2 pour monsieur Hank. Il était loin celui-ci. Hein. Attention, on a dit, il ne faut pas laisser se mettre en confiance. Ouais, 1 puis 2. Va-t-il mettre le 3ème? Jamais 203, comme on dit. Hein. Hugo Pellure dedans. Saïd, la réponse. Oui, monsieur! C'est dedans! Il les aime bien, ces petits shoots à 3 points ça là. Fait, ça fait du bien, parce que Bordeaux était revenu à moins de 10 points. Ouais, et on repasse à 12. Attention, Hank. Faut pas le laisser se lever là, Clément. Ouais, il le constamment sur lui pour éviter qu'il prenne le shoot facilement. Pour info, hein, pour les moins statisticiens d'entre vous, Quentin Hank a 46% à 3 points, c'est mieux que Stephen Curry. Sortie de Clément, Poncet-Lebert et rentrée d'Yuri Morov. Allez, Hugo Pellure pour relancer, finir bien le carton, 5 minutes à jouer. Ouais, c'est coupé là côté il Bordeaux, ils essayent de nous embêter un petit peu. Ils sont montés en intensité là défensivement. Il a mis ce match, mais il est grand Hugo, la passe elle doit être en l'air. Et ouais, Saïd qui lui monte la main en l'air. Dommage, incompréhension. Ouais. Et tout de suite récompensé là, la montée en intensité de Bordeaux, balle récupérée dans les mains de Quentin Hank. Allez, on sort tout de suite, voilà, pas de shoot facile. Voilà, tout seul pour Léonard, il ne le prend pas, extra passe, bien joué. Un peu court pour l'11ème, mais beau retour de Quentin Hank, le rebond. Dalmat s'arrose et c'est dedans cette fois-ci. Forcément, quand on laisse une chance, puis deux, puis trois, ça finit par rentrer côté Bordeaux qui revient un petit peu. Ça plaît pas Pascal Thibault qui stoppe le jeu et qui prend un temps mort.
parti pour la fin de ce deuxième quart-temps. Pascal Thibault qui a stoppé tout de suite l'hémorragie. Et non, Johan, non, c'est pas Stéphane Dalmat, l'ancien joueur du Stade Rennais. Non, non, c'est Geoffrey Dalmat, le joueur de Bordeaux, qui permet à son équipe de revenir à moins de 10 points. Allez, il faut remettre un petit coup là, avant la mi-temps. Repasser déjà au-dessus de cette barre des 10 points. Et pourquoi pas passer une nouvelle barre, les 15 par exemple. Se simplifier le match. Hein. Le troisième en 6 jours, on le rappelle, pour Rennes. Un rythme très soutenu, dont les joueurs n'ont pas forcément l'habitude. Ouais, mais là, Pascal Thibault qui fait bien tourner son effectif avec le retour de Saïd Bendriss, du temps de jeu pour Hugo Pellure. Ben Lebrun, c'était compliqué ça. Hein. Ça aurait pu rentrer Youri, bon rebond. C'est très très fort ça. Hein. Il a allé haut. Petit reverse, je me repositionne et je finis. Et très bien de la part de Maël Lebrun qui tente un shoot. Vaut mieux tenter un shoot pour avoir un rebond offensif qu'une balle perdue et une passe casse-croûte. Belle prise à deux là. Toujours ces prises à deux qui font mal à Quentin Roque. Hein. Il a du mal à s'habituer. C'est pas la première qu'il perd ce soir sur ce genre d'action. Là, c'est peut-être une faute intelligente hein, côté de Bordeaux qui stoppe la contre-attaque. Sinon, il y avait un 4 contre 1 pour l'équipe rennaise. Allez, Hugo Pellure. Il annonce un système corne là, avec deux écrans en haut. Voilà, c'est fait. Et on va chercher le shoot de Maël. Ici à 3 points. Allez. Dommage. Gamel, belle exécution du système annoncée par Hugo. Ouais, tu nous l'avais prédit là, Yoren. Hein. Je peux te l'annoncer, pas de souci. Peut-être pas à chaque attaque. Oh, c'est trop facile, ça. C'est raté. Ah, Il en manque un peu. Dommage, beau drive. Hugo Pellure qui relance pour son équipe. Maël, Mourad en rythme dedans. Ouais, très bon match de Mourad Elkir pour l'instant. Ouais, 9 points déjà pour lui. Quentin Hank qui met en place pour son équipe, prise à deux tout de suite. Cette fois, il s'en sort, il trouve une très belle passe, le ballon qui vit bien. Mais on a été bon dans les rotations et Hugo Pellure. Allez, 3 contre 2 à jouer côté Rennais. Mauvais choix là de Maël Lebrun. Ça part en tous les sens là. Ah bah oui, il va le prendre Monsieur 100%. Monsieur 100%, 3 sur 3 pour Quentin Hank. 9 points pour lui déjà ce soir. Allez, 9 points et puis il a envoyé que 3 fléchettes. Hein. Ceux qui aiment les fléchettes, ça fait 3 boules. Hein. Ouais, 3 triples pour Quentin Hank, superbe. Il a fermé la bulle déjà. On voit sur le même système, cette fois pour Youri Moroz. Il l'a pas, il est plus physique, il drive. Il faut shooter là, Geoffrey, très bien. Dedans, au buzzer. Petit drive, ça vient aider sur moi. C'est qu'il y a un joueur libre. Et Geoffrey, toujours, en général, ça tombe pour lui. Il met dedans. Ouais, pas évident celui-là, il avait pas eu beaucoup de temps pour shooter. Il restait une seconde sur la poste. Et ballon perdu. Mauvaise communication des Bordelais. Et retour de nos deux meneurs de jeu, Brian Pamba et Joseph Chartouni. Pour Hugo Pellure et Maël Lebrun. On vous rappelle le score 42 à 30 pour l'URB. Il reste 1 minute 46 dans ce deuxième quart-temps. On va essayer de vous réafficher le score très vite. Ouais, merci Bordeaux Métropole Basket JSA de nous dire la prononciation. Bye tout bam, on le saura pour la prochaine fois. En tout cas, c'est Geoffrey là ici à 3 points. Hop là, ça fait le tour du cercle, mais ça ressort. Bah, Dalmat qui frôle la ligne. Souvent ça en contre-attaque, hein, on demande de courir très large, frôler la ligne, c'est ce qu'il a fait. Allez, 42-30, 1 minute 20 à jouer. Ballon Bordeaux. Avec Thibault Longzième qui va jouer dans le post-up sur Mourad Elkir. C'est pas forcément cadeau. Il libère Thomas Van Noussem qui perd le ballon. Ouais. Main agile là de Mourad Elkir qui était là en dissuasion, prêt à aider Geoffrey et qui vient
tapoter la balle. Ouais, compliqué là, de la part des Bordelais, un peu serré, un peu fermé. Manque d'espace. Et Brian qui remonte tranquillement le ballon, double écran en haut, il prend celui de Mourad. Enchaîne main à main, Yuri, Brian, le ballon qui tourne bien, pour Joseph sans doute à 3 points. Voilà qui est fait, il a hésité à le prendre, il ne le prend pas. Il reste 3 secondes, il faut se lever mon grand là. Allume ça mon grand, voilà. Ah, on l'a voyé dedans d'ici, beau rebond de Yuri Moroz. Ah, Yuri qui fait parler sa puissance encore une fois, qui va chercher ce rebond, qui se resitue et qui met dedans. Plus 14, plus gros écart du match il me semble. Ouais, très belle activité au rebond là d'Yuri Moroz, qui permet des deuxièmes chances au René. Faute offensive, Mourad, super bien joué, bien provoqué. Joueur de Bordeaux qui baisse un petit peu les bras là en cette fin de première mi-temps. Ouais, bien joué Mourad, hein. Je tombe bien au bon moment, sans trop en faire, mais j'en fais un peu quand même. Super passage en force provoqué là de Mourad Alkir. Et première apparition des Serpilleros. Joueur qui commence à transpirer un peu, merci à vous. Supporters rennais en général, vous les applaudissez, on le fait pour vous. Allez, 29 secondes à jouer. En général, les fins de carton, c'est pour qui, Hugo? C'est pour Monsieur Clutch Brian Pomba. Allez, on a annoncé un système collectif pour cette fois, il y a une petite différence. Hop là, voilà. Faute offensive. Il sera surtout pour Bordeaux, la dernière possession. 22 secondes à jouer, un ballon pour Bordeaux, pour essayer de revenir un petit peu vers la barre des 10 points. Et pour ça, le coach Joachim Duté pour Bordeaux qui prend un petit temps mort. Allez, c'est reparti, 22 secondes à jouer et 4 dixièmes pour être précis. Ballon pour Bordeaux, dernière possession de cette première mi-temps. Ouais. Normalement, en sortie de temps mort, qu'est-ce qu'on y trouve là? Ouais, on en parlait là durant le temps mort, on verrait bien un petit 3 points ouvert de Quentin Hanck à mon avis. On va travailler le système pour en tout cas, espérons que le coach bordelais n'ait pas pris un temps mort pour rien, on va voir tout ça tout de suite. Faut-il déjà monter la balle là, les Rennais qui restent tout terrain. Ça sera pas lui puisqu'il n'est pas... Ah si, voilà, le voilà avec le ballon. Monsieur 100%, on va voir. Et Brian qui vient lui chipper la balle, superbe. Vous avez mixé pour lui en fin de match finalement. Superbe, hop là. Ah. C'est dedans. Petite frayeur là pour Yuri Moroz. Ah, attention, si on prend à 3 points, c'est mal payé parce qu'on sera à moins 1 du coup sur ce différentiel de ces deux actions. Ah, mais voilà qu'il arrive. Oh non, c'est touché par Geoffrey. Et ça sera le premier échec pour lui ce soir. Ouais, compliqué là. On va pas lui compter celui-ci, c'était au buzzer. Compliqué, on se retrouve à plus 16 avec le plus gros écart du match à la mi-temps. Les joueurs rennais qui vont pouvoir aller se reposer un petit peu, se remettre les idées au clair. Et on se retrouve juste après cette petite pause. À tout de suite. Ouais.
Et voilà, on vous retrouve à la mi-temps avec l'assistant coach Bastien Demeuré. Bon Bastien, trois jours après, comment on prépare un match comme ça? On a l'habitude là, trois jours après. Ouais, bah écoute, c'est beaucoup de récupération, hein, avec Pierre notamment le lendemain, un peu de shoot. Voilà, en fonction des différents temps de jeu, on essaye de Pierre leur prépare un programme et puis dimanche, bah tu vois, on a travaillé un peu sur ce qu'ils faisaient principalement à Bordeaux, c'est-à-dire les switch sur pick and roll et puis le fait qu'ils jouent small ball tout le temps, donc à nous d'être focalisé sur voilà sur les tirs à trois points, sur les duels et essayer de tenir les drives qu'on a eu un petit peu mal à faire en premier quart-temps, qu'on a mieux réussi à gérer là, sur le deuxième. Ouais, du coup par rapport à tout ce que vous avez vu vidéo récup, là on est dans les plans de la première mi-temps. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Qu'est-ce qu'il faut des pièges à éviter peut-être dans la deuxième? Bah il faut éviter de se relâcher tout simplement, garder une bonne pression, faire attention à Hank qui est un très 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 fort shooter et qu'il faut réussir à contenir. Voilà, on avait prévu d'économiser chèque sur ce match. Pour l'instant, si on continue comme ça et si les joueurs continuent de garder l'intensité sur la deuxième mi-temps, voilà, on sera dans le plan qui était prévu pour ce match-là. Si on voit pas chèque ce soir, c'est bon signe alors. Exactement, c'est bon signe. Super, merci Bastien, bonne deuxième. Bonne deuxième. Allez, 46 à 30, retour au jeu entre Rennes et Bordeaux pour cette deuxième mi-temps. On en profite pour saluer notre partenaire encore Optical Vision, pardon, qui nous offre ce match ce soir. Optique Visual, désolé, c'est mon franglais, English, je ne sais pas comment dire. Optique Visual, merci à eux pour ce soir. Décidément, on a du mal avec la prononciation. C'est lundi soir, début de semaine. On n'est pas habitué. 19h30, horaire inhabituel. Que de changements, que d'excuses aussi. En tout cas, ce qui ne change pas, c'est la belle prestation des Rennais. Ouais. Une belle première mi-temps. Suite au très bon match de vendredi dernier contre La Rochelle. Et avant un très gros match qui attend nos Rennais vendredi à Toulouse. Pour une nouvelle journée, ouais, les matchs s'enchaînent. Pas trop de repos. Et gros sommet contre Toulouse vendredi. Mais avant d'y penser, il faut déjà battre cette équipe de Bordeaux. C'est plutôt bien parti pour l'instant avec une avance de 16 points. Mais on le sait, au basket, tout va vite. Faut pas fauter, faut rester concentré, appliqué jusqu'à la dernière minute. Allez, c'est reparti. Ouais. Premier ballon avec Joseph Chartouni. Déjà bien commencé la seconde période là pour les Rennais. Clément Poncet en bas. Joseph. Ouais, Joseph qui est bien monté là sur son défenseur. Deux points déjà. Et Méniel qui monte le ballon. Deux au panier. Pour Oana, belle prise à deux. Mais la balle circule bien. Très belle passe là. De Antoine Léonard. Ouais, de la part du numéro 6, l'11e il me semble. Superbe passe de la part de Bordeaux qui transperce littéralement la défense rennaise. Il a pris tampon là. Hein. Et costaud Lioury. Attention, Mourad qui va profiter de son avantage physique là pour poster Gaëtan Méniel. Clément qui prend le shoot. Non, ça ne veut pas. L'Arceau qui lui dit non, pas cette fois. Retente ta chance la prochaine fois, mon grand. Ça permet à Bordeaux de mettre en place. C'est exactement le même système que tout de suite.
pas se faire avoir à l'opposé. Voilà, Thibaut Longzième qui drive que sur sa main droite. Il prend la planche tout en finesse, 2 points de plus. Ouais, très très beau drive là de la part du Bordelais. Joseph Chartouni. Delon. Ça c'est de la ficelle là. On n'a pas entendu un bruit de métal là hein, sur le shoot de Joseph Chartouni. Ouais. Allez, les Bordelais qui doivent se méfier de Joseph Chartouni qui avait réalisé une très belle performance au match aller à Bordeaux. De mémoire, je crois qu'il avait réalisé un triple-double à 30 points, 10 rebonds, 10 passes, quelque chose comme ça. Ouais, c'était un de ses premiers matchs. C'était un de ses premiers matchs et un de ses meilleurs sous le maillot rennais. Donc il doit être ciblé, même si là, ça fait filoche. Là. Allez, Gaëtan Méniel qui relance. Prise à deux toujours là de la part des Rennais après un pic. Pas récompensé, la balle sera toujours bordelaise. Système en place. On cherche Maquet Junior qui va le driver sans doute. Geoffrey, on ressort à 3 points. Fond de cerceau là pour Owana. Allez, Antoine Léonard en coquin qui vient prendre ce rebond et rajouter 2 points pour Bordeaux. Mais 51-36. Ne laissez pas les miettes, il va se servir pour remettre dedans. Yuri Moroz à 3 points. On cherche Moral en bas. Très bien. Même pas besoin de dribble. Je me retourne au bon endroit au bon moment. Superbe. Petit écran entre extérieur. Prise à deux tout de suite. Belle interception. Faites-nous plaisir, les gars. Non, on a rien dit, monsieur hein. Pascal Thibault. Désolé, il fallait pas nous faire plaisir, il fallait mettre dedans. Il y a déjà du Oura Basket, on est déjà dans le troisième quart-temps. Ouais. Ah, les gars, c'est dommage, elle était un peu forte. On sait qu'il a les qualités physiques, hein, Yuri, pour attraper ce genre de ballon. Qu'est-ce qu'on dit là quand on est coach? À la fois, les joueurs, faut bien qu'ils se fassent un peu plaisir. Là, dès le début du troisième quart-temps, 2 points faciles loupés. Bon, on laissera Pascal Thibault dire ce qu'il a à dire. Allez, on fait vivre le ballon. Oui. Geoffrey qui était tout seul, c'est dommage. Joseph Chartouni, le deuxième est raté. Et le rebond Geoffrey, Scléa, qui fait parler sa puissance. Allez, Joseph, il a envie de le reprendre. Non, il va trouver Mourad. Et encore Geoffrey, encore Yuri. Oh là là. Ouais. Les rebonds offensifs, on sait que c'est des points faciles. Très belle présence là de Geoffrey Scléa et Yuri Moroz en rebond offensif. 55-36 pour l'équipe rennaise, 19 points d'écart. Méniel, beau drive, finition main gauche, il en manque un peu. Ah, il avait envie de lui la piquer, Joseph, mais il va vite. Et il ne s'attendait pas au drive main droite. Il s'est fait prendre et il lui donnera 2 lancers francs. Il va également laisser sa place. Pascal n'a pas dû apprécier Hugo, la petite passe contre la planche. Ouais, on a notre réponse, Joseph Chartouni qui sort. Ah non, c'est Mourad qui fait sa sortie. Et la rentrée de Saïd Bendriss et de Brian Pamba. Allez, on retrouve notre silence de cathédrale pour les 2 lancers francs à venir de Méniel. Le premier est dedans. Vous habituez à faire 50%. Les gars, assurez le rebond, on va voir ça tout de suite. Ou va-t-il nous faire mentir ? Une petite contre-attaque derrière. Et voilà, superbe, 100%. Il nous a fait mentir 2 sur 2. Avec Clément qui prend du rythme et qui va annoncer un petit système, le système flex avec une cascade d'écran. Voilà, on met du rythme, il y a un avantage. Bien joué Geoffrey, hop là, ouais. Ça claque sur les bras, ça donnera 2 lancers francs. Belle cascade, hein. Ça ruisselle côté URB. Ça sera 2 lancers francs à venir. De lancer franc pour Geoffrey Scléard. Le premier est dedans. 8 points pour lui ce soir. L'occasion de se rapprocher de la barre des 10. Voilà qui est fait.
À savoir que c'est les trois postes 3-4 de l'URB, là, Yuri Moro, Geoffrey Scléard et Mourad Elkir, qui sont nos meilleurs marqueurs ce soir. Pour le moment, avec Gaëtan Méniel, avec Antoine Léonard. Il va driver, il prend le pic de Thibault 11e. C'est bien joué. On appelle ça un petit pick and flair. Après l'écran, il a ouvert. Il s'écarte du panier, ouais, exactement. Là, ça va être compliqué. Ça arrive jusqu'aux mains. Belle passe dans le dos, compliqué quand même. Il va driver, là, il va prendre de la vitesse. Ouais. Brian, un peu gourmand, là, qui cherche la balle. Ouais, il dit rien, Brian. Il dit oui, oui, j'ai fait une faute, désolé. Un peu gourmand. Et la rentrée de Maël Lebrun qui remplacera Yuri Moroz. Touche latérale pour Bordeaux avec le jeu toujours avec Méniel. On va essayer de chercher Maquet Junior en bas. Il a saillé face à lui. Antoine Léonard en première intention. C'est raté. Ouais, quatrième shoot là, c'était bien ressorti, dommage. Hop là, Clément, même chose. C'est un peu tendu, un peu osé. Pas en réussite à 3 points ce soir, Clément Poncet-Lebert. Bon, petit cross de 11e. Très beau drive encore. Petite passe, bravo. Très bien joué de la part des Bordelais. C'est bien joué. C'est bien joué. Et Maël Lebrun, un petit peu en retard dans les rotations derrière, qui est obligé de commettre la faute pour pas donner de points faciles à Bordeaux. Thibault 11e qui devra aller les chercher, ses points au lancer franc. Joueur très correct en plus au lancer franc, qui a près de 85% de réussite. J'arrive pas à m'y faire, moi, ce silence sur les lancers francs à chaque fois. Ouais. On n'a pas le budget cabine encore, donc on peut pas crier. On est obligé de faire doucement pour pas déconcentrer l'adversaire ou Rennes, tout simplement. Deuxième est raté. Allez, Brian Pamba. Qui est trouvé dans le post-up. Oh, c'est joli. Maël Lebrun à l'opposé. De là. Et c'est dans le même spot qu'il avait tué La Rochelle vendredi soir. Ah, il a dû mettre une croix ici il n'y a pas longtemps. Celui-là, c'est le mien. Dès que je prends un shoot ici, je mets dedans. C'est clair et net. La réponse de Maquet Junior à 3 points. Belle ficelle aussi. Ça va être important à cette fin de troisième quart-temps pour Bordeaux. Ne pas laisser Rennes prendre le large. 18 points déjà. Brian Pamba, Clément Poncet-Lebert, la balle qui tourne bien. C'est bien joué ça. Très bien joué Clément. Belle passe pour Geoffrey. 20 points d'écart, 62-42. 4 minutes 35 à jouer. Il va le reprendre. Non, il se rapproche un peu cette fois. Je serais resté à 3 points, moi. Je venais d'en mettre un. Bien, la petite hésitation, Clément. Ouais, le changement de rythme, là, il a essayé. On ne s'est pas fait avoir côté bordelais. Brian qui demande l'écran pour Saïd. Ça enroule. Hop là, qu'est-ce qu'il nous a fait, là? Ouais, je perds le ballon et 2 contre 1 pour Bordeaux. Qui met 2 points faciles. Ouais. Son intermédiaire du numéro 33, Madiba. Oh, on a... 62-44 pour l'URB. Brian qui met son système en place. Très jeune joueur, hein, Oona, né en 2004. Encore U18 donc. Et là, 3 secondes encore une fois de Saïd Bendriss. Triple changement. Côté bordelais. La rentrée de Geoffrey Dalmat, Quentin Hanck. Et la première apparition, il me semble, de William. Erabetian et côté René, ça sera un temps mort avec un double changement, on n'a pas bien vu encore. On se retrouve juste après le temps mort.
Allez, c'est reparti. 62-44. 3 minutes 49 à jouer. Pascal qui voulait pas laisser trop d'opportunités au Bordelais de se remettre dans la partie, qui a préféré stopper le jeu. Ouais, donc, c'est important hein, de garder ce matelas confortable pour les Rennais. On sait que ça peut aller très très, très vite au basket, même dans les fins de match. Ouais, garder son sérieux, sa concentration. C'est vrai que La Rochelle, une concentration pendant 40 minutes. Ce qui nous faisait défaut un petit peu sur les précédents matchs, hein, contre Vent, contre Vitré, contre Reuil. On était plus habitué à faire simplement une grosse deuxième mi-temps. Là, si on arrive à être constant, on va gagner en régularité. C'est ce qu'il nous faut pour essayer d'aller titiller les plus gros dans ce championnat. Et là, faute offensive de Quentin Hawk, numéro 46 bordelais. Petite explication entre les deux joueurs. Oui, oui, ça se frite un peu, ça s'envoie des marrons. Mais bon, c'est dans le jeu. C'est toujours pas la saison, Hugo. On va y arriver, on va y arriver. Allez, c'est reparti, place au jeu, messieurs. Avec un petit système corne annoncé pour envoyer Saïd dans la peinture. Il se lève, non. Ça ressort. Rebond long pour Joseph Chartouni. Qui son drive, je passe main gauche, je passe main droite, je mets dedans, je prends la faute. Ouais, super, il a récupéré le ballon là, sans sauter. Il était bien placé, il a fait semblant de vouloir remettre le jeu en place. Changement de rythme, beau drive, superbe. Et ça lui permet de passer la barre des 10 points. Le Vla à 11 maintenant, avec un lancer supplémentaire à venir. Avec la troisième faute de Quentin Hank. Ouais, deux coups sur coup là, après son passage en force. Et loupé le petit lancer framboliste de Joseph Chartouni. Oh, Brian, il a essayé de piquer la balle par derrière. Maquet Junior, on cherche Quentin Hawk. Il y a un beau duel là entre les deux meneurs de jeu. Remporté par Brian ici. Et Joseph Chartouni. Hop, 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 hop. Ça ouais. Passé quelque chose là. Hein ouais, Joseph qui était monté au smash là, mais bien pris par derrière. Dommage, il avait l'opportunité de mieux faire à mon avis. Il a voulu régaler les supporters à distance. C'est bien joué ça encore. Et Mourad qui continue ce chantier sur une très belle passe de Maël Lebrun. Remercie aussitôt par le scoreur en question. Ouais, 13 points ce soir pour Mourad, meilleur marqueur du match pour l'instant. Quentin Hank qui est bien gêné par ses prises à deux en sortie de pique, qui est déjà à 5 balles perdues ce soir. Très beau travail là. 24 secondes, belle défense de la part des Rennais. Bordeaux qui n'a pas réussi à trouver de solution, 24 secondes, la balle sera rendue au blanc de l'URB. Et double changement avec la rentrée d'Yuri Moroz et d'Hugo Pellur à la place de Saïd Bendriss et Brian Pamba. Double changement également côté Bordeaux avec la rentrée de Thomas Van Noussem et la rentrée de Mbaï Toubam. Et attention pour les Bordelais quand même parce que l'écart commence à grandir. On est déjà à 22 points. Il reste 12 minutes. Ne pas repartir à la maison avec une valise, recoller au score. Et Mourad qui continue. Il va aller sur la ligne de lancer franc. Belle coupe là, baseline. Ouais, sur un très beau service de Yuri. Et il aura deux lancers, Mourad Elkir, à venir. Le premier est dedans. Et le deuxième, non. Hop là. Ça se bat bien là sous le panier. Ça va peut-être offrir une belle transition à Bordeaux. Non, c'est stoppé. Ouais, très beau drive. Ah, il faut faire transférer le ballon plus vite là, à mon avis. Ah, il a oublié la balle sur son drive là. Ballon rendu. Joseph Chartouni qui remonte le ballon, il avance le système corne.
Les deux intérieurs vont monter pour un écran. Voilà, le premier est pris. On donne la balle à Mourad. Et là, on va aller chercher Maël Lebrun sur un tir à 3 points. Voilà. C'est fait. Et on retrouve Mourad. Hop là, fallait laisser Hugo, dommage. Ouais, 3 secondes pareil. À jouer. Bon rebond encore offensif, la belle présence d'Uri Moroz. Qui continue son chantier avec sa 7e prise de la soirée au rebond. Il va le jouer, il va le jouer. Ouais, il réclame quelque chose là, Joseph Chartounis, avec un tel écart, ça laisse suspect quand même. Ouais, pas habituel de le voir louper comme ça. Je crois qu'il a pris vraiment un bras. On va laisser place au doute. Ballon Bordeaux. Qui fait bien vivre le ballon. À l'opposé, pour Monsieur 100%, pas cette fois. Ah, pour qui ? Elle est blanche, nous dit Monsieur l'arbitre. D'un air sûr de lui. Bon, on n'était pas très sûr, nous dit si. On l'aurait peut-être même mise au noir. Allez, encore une fois, un système corne d'annoncé. Ouais, de la part du Gaulle Pellure. C'est bien joué ça Hugo, superbe drive. Ouais, il va retrouver sa main gauche. Oula, il se tient le dos, j'ai l'impression qu'il s'est fait mal, qu'il s'est fait mal au dos. Il avait déjà des petits soucis. J'espère que ça ira bien pour lui. Très beau drive en tout cas. Ouais, très beau système Hugo Pellure. J'annonce quelque chose mais j'y vais tout seul parce qu'on ne défend pas, la fenêtre s'ouvre. Bravo à lui. Les bonnes mains de Uri Moroz. Non, pris par la patrouille là, sanctionné. On avait encore une faute à donner, on n'est pas dans la pénalité. Ça sera une touche côté avec 8 secondes à jouer. Pour les Noirs de Bordeaux. Attention, on joue sur un écran là. Ici, bien Hugo, bien anticipé. Ouais, belle lecture de jeu. Vont-ils s'en sortir ? Non ! Et ça se chauffe un petit peu là. Ouais. L'occasion pour nous de vous envoyer une petite page de pub. Et on se retrouve aussitôt. Là, il y a du marron. Pour ce dernier carton, 69 à 44 pour l'URB. Tchèque n'est pas fatigué, nous dit Stéphane. C'est vrai qu'on le voyait faire un peu de vélo. Multisport, notre Tchèque Dyson Sekou Kondé. Il a le sourire en tout cas. Allez, 69-44, plus 25, dernier carton à jouer, les dernières 10 minutes. Et la première apparition ce soir de notre ancien capitaine, Lucas Fontaine. Qui va tout de suite se coltiner. Quentin Hank, qui était légèrement frustré sur la fin de troisième quart-temps. Ouais, alors ça, coltiner Lucas. On l'aime pas l'avoir dans les pattes. Hein. On adore notre joueur Lucas Fontaine, mais quand il défend sur nous, on l'aime un peu moins. Surtout sur toi, Hugo. Ouais, je passais pas le milieu de terrain, moi. Et là, belle passe trouvée là, par la JSA Bordeaux. Deux points faciles devant Nussem. Yuri Moroz dans le post-up qui se fait prendre à deux. Puisqu'il a l'avantage, et Geoffrey toujours en opportuniste. Ouais, là, c'est compliqué pour Hugo, mais belle passe! Oh, faut aller écraser ça, Yuri. T'es fatigué, Yuri?
écrase-nous ça, remets-nous le couvercle. Mais non, deux petits points, facile, Yuri Moroz. Et Lucas qui commence son travail de sape là sur Quentin Hanck. Ouais, il va pas le lâcher d'une semelle à mon avis. Il a pas marqué dans le troisième carton. Oh, il était tout seul. Très belle passe pour Dalmat à 0 degré, ça va sortir. Rebond Geoffrey Scléard, Lucas Fontaine qui relance. Qui va pouvoir annoncer un système. Retour pour Hugo Pellure. Le système qui met un peu de temps à se mettre en place. Il va le jouer Hugo. Bah oui, vas-y. Superbe. Hop là, attrapé en l'air là. Ouais, on peut dire qu'il s'est fait accueillir dans la raquette, dommage. Allez messieurs, attention de ne pas tomber dans un faux rythme. Ouais, on a encore 10 minutes à vivre. Un peu moins maintenant, 8 minutes 20. Allez messieurs, faites-nous plaisir. Faute personnelle de Geoffrey Scléard, sa deuxième pour lui ce soir. Pascal qui continue à donner de la voix en tout cas. Qui harangue ses troupes. Ouais, très beau drive là. Oh, par contre, il s'est fait attendu près du cercle. Plus tu te rapproches, plus ça se referme. Lucas Fontaine pour remonter le ballon. Qui va trouver Geoffrey Scléard, Yuri Moroz à l'intérieur. Bah ça, c'est du pain béni, deux points de plus pour Yuri Moroz. Ouais, ça paraît facile. Hein. Quand on voit Yuri finir comme ça, continue son chantier. Avec 16 points, meilleur marqueur de la rencontre, notre Yuri national. Dalmat qui prend sa chance, un peu loin, fond de cercle. Et voilà, Yuri encore une fois qui prend le rebond. Ouais, il est en train de faire des stats. Hein. Il ne me fait pas mentir, il est sympa avec moi. Il fait chauffer les statisticiens. Là. Et la Bordeaux ouais, qui stoppe l'hémorragie. Bien qu'elle s'est déjà bien écoulée quand même. 75-46 pour l'URD. Temps mort, Bordeaux. Allez, c'est reparti pour ce match du lundi soir. Allez, 7 minutes 28 à jouer, 75-46. Retour au jeu. Allez, restez concentrés pour bien finir ce match et arriver avec le plein de confiance pour aller affronter Toulouse vendredi. Ouais, l'ogre toulousain. Qui avait gagné in extremis hein, à Rennes. C'était il y a quelques semaines que Toulouse était venu s'imposer ici. Ouais, on s'en souvient avec Adrien Timon qui avait pris feu en fin de match pour donner cette victoire à Toulouse. Nul doute que nos Rennais seront revanchards vendredi, d'autant plus avec leur forme actuelle, puisqu'ils se déplaceront chez le leader. Place convoitée maintenant ouais. Par les Rennais. Quoi de mieux pour tester ses ambitions que d'y aller? Ça marche. Ouais. Cloche-pied, il n'y a plus le droit maintenant. Cloche-pied, marché, ballon pour Rennes. Allez, c'est reparti avec Hugo Pellure qui met le système en place. Lucas Fontaine, Hugo Pellure. Ça va plonger pour Saïd Bendriss. Le voilà servi. Prise à deux, Lucas prend le mouvement. Rotation. Allez, Monsieur Fontaine. Et allez, Monsieur c'est Fontaine. Dedans.
Mais il connaît bien le panier, hein, ça fait quelques années. Hein. Il a voulu toucher un peu de planche, un peu de cercle pour finir dedans. Ouais, histoire de tester un peu tous les compartiments. Puis je finis dans la ficelle. Super, monsieur Fontaine. Les ballons récupérés tout de suite après de la part de l'URB. Les Rennais qui ont dû se fixer peut-être des objectifs pour finir la fin de match. On voit la barre d'essence rapprocher peut-être. En tout cas, il reste sérieux. Oh, très belle passe d'Hugo Pellure. Ouais, super, belle coupe de Clément Poncet-Lebert servi sur un plateau. Merci monsieur, j'ai plus qu'à conclure. Ouais, service maison. Room service, comme dirait l'autre. Ouais, belle agressivité là de Dalmat qui va avoir deux lancers francs sur la ligne. Ça lui donnera deux lancers francs. Et sortie de Geoffrey Scléard, encore très bon ce soir, notre homme à tout faire, remplacé par Brian Pamba. Ça m'étonnerait qu'on revoie Geoffrey ce soir, vu qu'il y a eu beaucoup de temps de jeu sur les derniers matchs. Pascal va peut-être faire souffler un coup en prévision toujours de ce match de vendredi. Vous ne serez pas avec nous malheureusement puisque ce sera à l'extérieur. On vous voit déjà déçus de loin derrière vos écrans. En attendant, toujours ce silence de cathédrale pour les lancers francs. Le premier est dedans. Et le deuxième également. C'est reparti pour l'URB. Hugo Pellure aux manœuvres. C'est Brian qui joue intérieur sur le système corne là. Ouais, il pourrait être physique hein, le Brian. C'est vrai, c'est vrai. De toute façon, en tant que meneur de jeu, on doit connaître tous les postes de tout le monde sur le terrain. Donc sans souci pour lui. Il va le jouer là. Il va se lever surtout. Get donc. Il se lève. Dommage. Ouais, Saïd. Très bon rebond de Saïd Benriss, tout en touché là-haut, là. Telle une tour de contrôle, superbe. Voilà, je me lance la balle. Info. Je joue avec le ballon. Et connexion, Lucas, Saïd. Ça fait longtemps qu'ils se connaissent, ces deux-là. Ouais, la connexion des historiques. Il y en a un qui est un peu plus jeune que l'autre, quand même. Les deux qui ont souvent porté les mêmes couleurs. Beau travail en défense de Lucas Fontaine, là, à l'opposé. La porte s'était ouverte, ouais, petite faute. Ah, attention, il s'est fait mal, là, Maquet Junior. Rien de grave, on espère. Il se tient la hanche droite. Pas épargné par les blessures, hein, ce groupe bordelais, depuis le début de l'année. Je sens qu'il manque un des joueurs cadres, hein, Alex Vialare, qui n'est pas là aujourd'hui. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller, ouais. Il ne s'attendait pas à sortir. Si on le fait sortir quand même, on prend pas de risque côté bordelais. Inutile. Il n'y a plus grand chose à jouer, à mon avis, là, côté Bordeaux. À part soigner les troupes. Peut-être reposer les joueurs clés en prévision du prochain match. Un retour tout de même de Yuri Moroz. Excellent ce soir avec 28 déval. Puisqu'il est avec 16 points, 8 rebonds, 4 passes, 4 interceptions. Voilà un chantier de notre petit Yuri. Il ne laisse pas un blanc là, sur la case de statistiques. J'en mets un peu partout. Il n'a pas de contre, mais il en est capable. Il n'en a pas fait tout à l'heure. Allez, Lucas. Petite passe main gauche, très bien. Facile. Petite passe façon bowling là. On réclamait le dingue de Lucas Fontaine. On sait qu'il monte très très haut, habitué des concours de dingue. Non, on rigole, on l'a jamais vu se matcher encore une fois, Lucas Fontaine. Brian, il a toujours les bras qui traînent, prêt à chipper des ballons. Hugo qui fait parler sa vitesse. Oui, super, monsieur. N1, Hugo Pellure, superbe contre-attaque. C'est pas mal, hein, avec son bras droit, il a attrapé discrètement le joueur bordelais. Ouais, il lui a tenu la main jusqu'au panier, puis je finis main gauche finalement. Superbe. Et la faute sera sifflée contre toi. Bien joué, Hugo. T'auras un lancer en plus.
Ah, c'est dommage. Dommage. Il ne convertit pas. 86-48, 4 minutes 21 à jouer. Lucas qui continue son travail défensif. On va chercher Dalmat sans doute à l'intérieur. Il a l'avantage. Non, on ne le trouve pas. Il a raison. Il prend sa chance. Dommage. Fond de cercle. Il est allé haut, Brian, pour aller chercher ce rebond. Il va pouvoir relancer. Pour Lucas Fontaine, Yuri Moroz à l'opposé. Très belle vision de jeu. Ouais, on se fait plaisir. C'est bien, les garçons. Dommage. Ouais, belle extra passe là de Brian Pamba qui a voulu faire shooter son coéquipier. Bel esprit. Ouais, très belle mentalité. Et là, très beau travail, très beau reverse de Van Noussem. Ouais, assez discret, Thomas Van Noussem. Hein. Ouais, il atteint la barre des 10 points tout de même. Non, 8 points pour lui. 8-8, c'est vrai qu'il est habitué à être un petit peu mieux au scoring. Ah, et là, on cherchait Saïd Bendriss à l'intérieur. À 3 points, contre-attaque. Oui, t'es en ride, prends-le. Dommage. Beau rebond, de Quentin Hank. On entend le banc de l'URB réclamer un peu plus de repli défensif pour cette fin de match. Triple changement pour Bordeaux. Et la re-rentrée de Mourad Elkir côté Rennais. Ouais, sortie de Saïd Bendriss, applaudi par ses partenaires pour son retour. Un bon match de reprise, 9 points pour lui ce soir. Ouais, Hugo, faut pas se faire avoir là-dessus, dommage. Ouais, malin là, Léonard, qui a profité de l'intention d'Hugo Pellure pour lui passer devant tout simplement. Il aura de lancers francs à venir. Ce sera sa quatrième faute personnelle à Hugo Pellure. Très belle répartition des temps de jeu hein, côté Rennais. Pascal qui fait souffler. Avec le plus gros temps de jeu à 24 minutes, c'est Yuri. Puis ouais. Des temps de jeu équilibrés. On a pu reposer Tchèque pour le match de vendredi, on vous le rappelle. Yuri Moroz, le drive, un peu compliqué. Ouais, Mourad présent au rebond, ça ne veut pas. Attention, ne pas rentrer dans le garbage time, messieurs, là, d'enchaîner les pertes de balles, s'il vous plaît. Faites-nous vivre ces trois dernières minutes comme il se doit pour tous les supporters bordelais-rennais qui sont restés à l'écran, devant votre écran. Et la sortie de Brian Pamba qu'on ne devrait pas revoir ce soir. Il n'aura pas besoin d'être clutch. Ouais. Et il laisse la place à Joseph Chartouni. C'est bon signe quand on le voit pas en fin de match finalement. On s'est rendu le match plus facile. Et Mourad qui a l'avantage. Attention, ils sont dans les aides. Très bien trouvé, Yuri, facile encore. Et on a l'impression qu'il est facile, il joue à deux à l'heure, mais il marre, il prend la faute. Voilà, et il est tout sourire, c'est comme ça qu'on l'aime, notre Yuri. Voilà, ça va lui permettre de se rapprocher de la barre des 30 déval. Et des 20 points. Il a l'occasion de mettre son 19e ce soir. Voilà, sur la ligne. S'il met son lancer, il passera à 30 déval. Et il le loupe, donc il passe à 28. Mathématicien dans l'âme, toujours. Pour les évaluations, hein, ceux qui ne savent pas, quand on fait une action positive, ça fait plus 1. Et quand on rate, ça fait moins 1. Oups là. Ouais, il nous a fait peur, Yuri, là. Il a voulu l'attraper en haut, mais il n'a pas shooté. Il y aura de lancer froid à venir, sans doute, pour lui. Oui, dans tous les cas, parce que Rennes est dans la pénalité. De lancer franc à venir. Le premier est dedans, toujours dans le silence. Hein. Vous trouvez notre expression, la cathédrale, c'est bon, il y en a assez. Ouais, mais c'est surtout que vous nous manquez, on a envie de vous voir là, remplir les gradins de la salle Colette Besson, se ruer à la buvette à la mi-temps, prendre une galette saucisse, partager ses moments au salon VIP avec nous à la fin du match. On espère pouvoir rouvrir bientôt. Thank you.
Ouais, Lucas Fontaine, 0 degré. Ah, ça ne veut pas cette fois. Mais il prend son rebond. Oh, la petite passe aveugle, monsieur Fontaine. Eh oui, je regarde à gauche, je la mets à droite. Un peu une passe rugby, là, en honneur aux Bleus et leur victoire face au Pays de Galles ce week-end. Hop, les portes se ferment, interception, Joseph Chartouni, 3 contre 1. Hop, la passe dans le dos. Dommage, ouais. Il s'est fait piquer la balle, Gaëtan Méniel, là. Assez malin sur cette action. Ouais, c'est très malin, même. Allez, 1 minute 46 à jouer. Est-ce qu'on va dépasser la barre des 40 points, la barre des 100 points? On va chercher Hugo Pellure ici. Yuri qui a l'avantage au poste bas. Ouais. Ah, il ne va pas lui donner. C'est bizarre. Il va jouer pour lui, Hugo. Il va l'attaquer. T'as raison, fais-toi plaisir, Hugo. Oh là, oui, c'est fort! Je me resitue en l'air, je change de main, je prends la planche. Ouais. Et je mets dedans. T'as un acrobate là. Ah, faute bête de la part de Lucas Fontaine, il va donner de lancer franc facile. J'aimerais bien les voir sur un sprint, tiens, Lucas Fontaine et Gaëtan Méniel. Ça doit donner quand même. Usain Bolt n'a qu'à bien se tenir. Ouais, c'est vrai que ce sont deux joueurs très très rapides. Premier lancer franc loupé de la part de Méniel. Et le deuxième est dedans. Ouais, on est désolé Yann, on avait annoncé les 160 points. Ouais, mais on avait dit que ça ne durait pas tout le match. Il est assez dur avec nous là Yann. Oups là, qu'est-ce qui se passe là? Ouais, il a tenté un aller-oop là, mais ça ressemblait un peu plus à un shoot. Bon là, ça rentre un petit peu dans du hurrah basket, hein, comme on dit. Dans le garbage time, nous diront les Américains. Mais non, bravo, beau drive de la part de Wona, le jeune joueur bordelais. Qui convertit son lancer franc. Ouais, belle passe, Yuri. Allez, vas-y. Monte. Wow, ah, Yuri. Merci, Yuri. Merci, Yuri. Il est monté tranquillement. Ouais, un vrai beau joueur de basket, ce Yuri Moroz. Belle passe là de Léonard. Allez, contre-attaque encore, Joseph Chartouni. Hop là, attention à pas se blesser sur ce genre d'action là. Ouais, il s'est protégé là. Il est allé chercher la faute. De lancer franc à venir pour lui. 20 points ce soir pour Yuri Moroz sur ce dunk. Meilleur marqueur rennais, mais une très belle marque, hein, répartition des points côté rennais. Tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice. Tout le monde a mis quelques points, ça fait plaisir. 4 joueurs à plus de 10 points, tous les joueurs qui sont rentrés ont marqué. Ça nous plaît, hein, quand on voit un collectif bien huilé comme ça. Voilà, il y aura des sourires certainement. 95-56. Allez, on met un dernier système en place côté bordelais. Il faut jouer ses fins de match sérieusement. Ça fait toujours travailler. Voilà, l'écran haut. L'URD qui est passé en zone d'ailleurs pour travailler. Belle interception. Lucas Fontaine qui relance. Hugo Pellure. Qui va mettre dedans. Ça fait 90-17 pour Rennes à 56. Dernière possession à venir. 16 secondes à jouer. On vous laisse vous lever devant votre écran pour la dernière possession habituelle. Elle est haletante. Voilà, super dribble du numéro 2. Encore un deuxième dribble. Belle défense d'Hugo Pellure. Il se rapproche face à l'arbitre. Et en fin du match là-dessus, finalement, on se neutralise sur cette dernière action. On a stressé sur cette dernière possession. Tout va bien. Et voilà, nouvelle victoire des Rennais qui continuent leur belle série. Belle victoire 97 à 56 pour Bordeaux. Contre Bordeaux, pardon. Voilà, restez avec nous, on va essayer d'avoir un joueur. Les réactions d'après-match à venir.
Voilà, et dans tous les cas, on ne sera pas avec vous cette fois, mais on espère que vous les suivrez à distance. Donc, ce très beau match qui les opposera à Toulouse vendredi soir. On sera là pour commenter avec vous cette fois-ci. Voilà, on sera derrière nos écrans nous aussi. Match au sommet face à Toulouse qui nous attend. Et on va accueillir tout de suite Pascal Thibault. Alors c'est parti, on retrouve Pascal Thibault qui se remet de ses émotions. Bon Pascal, tu nous parlais d'un match piège vendredi dernier. Ton équipe a été sérieuse, a bien manœuvré du début à la fin. Satisfait de tes joueurs ? Oui, ben oui, ce serait malheureux de dire qu'on n'est pas satisfait, même s'il y a toujours des choses bien sûr à améliorer. Mais globalement, on l'a pris avec beaucoup de sérieux. Et c'est ce qu'il faut là contre ce profil d'équipe. Quand je dis profil d'équipe, non pas qu'elle n'ait pas de qualité, mais on sait qu'ils souffrent beaucoup de blessures, qu'ils étaient arrêtés depuis quelque temps. Et donc la stratégie, c'était vraiment de leur mettre une pression juste et cohérente et que sur la durée, on se doutait qu'à un moment, ils allaient lâcher ce qui s'est passé. Bon, on ne va pas te faire trop d'éloges, mais on a vu que tu as bien fait tourner ton effectif. Tous les joueurs ont marqué ce soir, 4 joueurs à plus de 10 points. Un effectif bien huilé qui tourne bien. Ça nous promet une belle suite. Toulouse vendredi, tu peux nous en dire un peu plus ? Ben, moi, pas trop. Bastien, davantage, puisqu'il a commencé à travailler. On va débriefer par rapport à Toulouse là dès ce soir là pour préparer ça au mieux. C'était aussi l'un des objectifs, là, ce soir, d'arriver à faire tourner l'effectif pour pouvoir garder des forces, parce qu'on sait que ça se joue aussi beaucoup sur la dimension physique athlétique. On voit malheureusement les joueurs de Bordeaux qui ont coupé là quelques jours. Et donc, ça va être important. C'est très important que tous les joueurs, là, ce soir, et amener de la performance pour qu'on ait pu facilement faire tourner l'effectif, reposer check aussi, donc c'était des bonnes choses. Super, merci Pascal, on te laisse aller féliciter les joueurs pour nous, et à vendredi, salut. Allez, à mon tour, je vais accueillir Maël Lebrun avec moi. Voilà, c'est fait. Bravo Maël, beau match, il y a beaucoup de sourires, tes premiers retours sur ce match. On a été plutôt bon. C'était un match un peu piège. C'est jamais évident à gérer ce genre de match parce que leur classement montre pas vraiment leur niveau de jeu. Ils ont d'énormes shooters. Voilà. Ce soir, on a réussi à faire le travail, à les limiter dans ce côté-là. Et puis, on a été bon en attaque. Donc voilà. Tu parlais d'un gros shooter justement, Quentin Hang, je suppose, qui était à 3 sur 3, je crois, à la mi-temps. Qui a perdu beaucoup de ballons, je crois qu'il a 5 ou 6 pertes de balles. C'était quoi un petit peu le plan de jeu pour essayer de l'arrêter ? C'était pas un plan de jeu pour lui spécifiquement, c'est juste qu'étant donné qu'ils ont des shooters, on avait dit que sur tout ce qui était pick and roll, c'était monter en pression pour éviter qu'il puisse prendre des tirs derrière les pick and roll. Voilà, mais ça s'appliquait pour lui, mais c'était pour d'autres joueurs aussi. Et puis après, je pense que sur la deuxième mi-temps, on n'a pas vraiment changé notre plan de jeu. Je pense que peut-être qu'eux, ils ont eu un peu de frustration aussi, et quand on a de la frustration, c'est pas évident de jouer. Voilà, parce qu'au final, il en met 3 en première mi-temps, deuxième mi-temps, on change pas vraiment notre façon de défendre, et puis on met pas. Voilà, donc non, on a fait un match complet. Voilà, on est vraiment en train de progresser, en train d'avancer sur ce qu'on veut faire. Donc il y a vraiment que du positif à tirer de ce match-là, et puis maintenant, en avant pour le prochain. En parlant du prochain, on en a pas mal parlé, nous ici, aux supporters, c'est Toulouse qui arrive, c'est un autre morceau. Ouais, ça va être. C'est une équipe qui fait partie des grosses écuries de la poule cette saison, même si encore une fois, tout le monde peut battre tout le monde peut jouer tout le monde les yeux dans les yeux. Non, ça va pas être évident. Ça va pas être évident. C'est un gros match. La chance qu'on a, c'est peut-être que on a un ou deux jours de plus que d'habitude pour le préparer, vu qu'on est lundi aujourd'hui, il n'y est pas mardi, donc c'est peut-être un petit point positif pour se reposer et préparer ce match-là correctement. Mais il va falloir l'attaquer sérieusement. Quand on les a joués ici, on les a joués les yeux dans les yeux et on perd de pas grand-chose. Voilà, avec quelques petites erreurs que si on n'avait pas faites, on aurait peut-être gagné le match. Voilà, maintenant il va falloir corriger ces erreurs-là et aller chercher la victoire là-bas. Super, merci Maël. Eh bien, on vous donne rendez-vous vendredi pour suivre Maël Lebrun et ses coéquipiers face à Toulouse. Bonne soirée à tous et à bientôt.